ajouté le président Vladimir Poutine, a souligné l'importance qu'il accorde à ses relations avec l'Église orthodoxe en participant pour la première fois vendredi à une assemblée des évêques du patriarcat de Moscou dans la capitale. Ce geste symbolique témoigne de sa volonté d'afficher et de renforcer ses liens déjà étroits avec l'Église orthodoxe, à un peu plus de 3 mois de l'élection présidentielle en Russie à laquelle il devrait, sauf énorme surprise, être candidat pour un 4e mandat. Vladimir Poutine s'est rendu à la cathédrale du Christ Sauveur, près du Kremlin, où se tient un synode qui réunit quelque 350 hiérarques, les évêques de Russie et ceux des églises affiliées au patriarcat de Moscou à l'étranger. C'est la première fois qu'un préside de la Fédération de Russie participe à cette assemblée, organisée au moins une fois tous les 4 ans selon les règles de l'Église. Le patriarche Kirill s'est félicité d'un événement historique. Les autorités religieuses ont de quoi se réjouir. Poutine vient à eux, comme les empereurs byzantins se rendaient au concile dans un passé lointain, a commenté pour l'AFP Boris Falikov, du Centre des études sur les religions de l'Université RGGO à Moscou. Nous observons dans de nombreux pays l'érosion des valeurs traditionnelles, ce qui mène à la dégradation de la société. L'indifférence et la perte des valeurs repères aboutissent au radicalisme, à la xénophobie et aux conflits religieux, a déclaré le président russe devant le synode. Depuis l'arrivée au pouvoir de M. Poutine en 2000, l'Église a vu son influence croître en Russie, où la majorité de la population est orthodoxe, et elle est devenue un interlocuteur privilégié du Kremlin. Elle a récupéré de nombreux monastères et églises saisies à l'époque communiste, elle a obtenu l'introduction dans les établissements scolaires de cours d'initiation religieuse et l'adoption d'une loi punissant de prison les offenses aux sentiments des croyants. De son côté, le patriarche Kirill affiche un soutien constant au Kremlin, qu'il s'agisse de défendre l'annexion de la Crimée, l'intervention militaire russe en Syrie ou de faire l'éloge du candidat Poutine, comme cela avait été le cas lors de la dernière élection présidentielle, en 2012. Combler un vide. L'alliance avec l'Église est très importante pour le président, estime M. Falikov en soulignant un point majeur de convergence, l'Église prône les valeurs traditionnelles, comme Poutine, qui dénonce la décadence morale de l'Occident. Sous Poutine, c'est créer un système dans lequel les intérêts de l'Église et de l'État sont liés, reconnaît Roman Lunkin, du Centre d'études des questions religieuses de l'Académie des sciences à Moscou, mais l'État ne suit pas toutes les demandes des orthodoxes, relève-t-il, en citant par exemple le refus d'interdire l'avortement. Dans les milieux dirigeants, l'orthodoxie est vue comme une composante fondamentale de l'identité nationale russe et un rempart contre l'influence jugée délétère du monde occidental. Après la chute de l'URSS, l'idéologie communiste a cessé d'exister et le vide ne pouvait être comblé que par la religion, a expliqué M.